Bonjour à tous et à toutes. Quand vous m'entendrez de nouveau sur notre site internet, nous serons le jour de Pâques. Comme à l'habitude, les cloches dans nos églises vont sonner pour marquer la résurrection du Christ, d'annoncer à tous ceux et toutes celles qui vivent autour. Mais en fait, pour nous les chrétiens, rien ne sera comme d'habitude. En ce temps de confinement, face à l'épidémie, contraints de rester chez nous, sans célébration, sans rencontre familiale possible, sans vraiment de jours fériés pour le repos habituel, ni d'accueil des enfants et des petits-enfants pendant ce temps de vacances, rien ne sera possible, seul, chez nous, ou avec son conjoint, sa conjointe. Que ce dimanche de Pâques soit pour vous, malgré tout, source de joie et de bonheur, de vie et d'espérance. Il est vivant, il ne faut plus le chercher au tombeau, ce lieu est désert, il est vide, il n'y a plus rien. Les apôtres en ont fait l'expérience. Ensemble, malgré tout, nous devons faire comme les femmes qui sont allées au tombeau, faire acte de foi pour crier la joyeuse nouvelle. Le Christ est vraiment ressuscité. Il nous entraîne vers la vie. Faisons retentir autour de nous cette bonne nouvelle en ce jour de Pâques et tout au long du temps pascal qui nous permettra, je l'espère, de nous retrouver. À chacun, comme je dis souvent, de retrousser ses manches. Avec le Seigneur ressuscité, luttons pour un monde meilleur. Même de chez nous, nous pouvons le faire. Respectons le confinement, protégeons ceux qui sont faibles, ceux qui sont dans le besoin, ceux qui nous sont chers. En ce temps de vacances, qui seront à la maison, sans sortie possible, sans vacances, prenons aussi soin de nos plus jeunes, faisant leur scolarité à la maison, ce qui n'est pas toujours simple pour tout le monde. Notre communauté, même virtuelle, devra vivre le Christ ressuscité, chacun y prenant ce qu'il peut. Par la pensée, la prière, la lecture de la parole de Dieu, nous serons unis. Merci à vous tous, à vous toutes, pour l'attention que vous portez à nos feuilles de prière que vous recevez par Internet, vous prenez à l'Église. Avec vous, paroissiens, personnes du doyenné, amis, prêtres, religieux, religieuses, Pâques est une fête de la joie, la fête de la résurrection du Christ. Faisons en sorte qu'elle le soit encore cette année, malgré tout ce qui arrive à notre pays, à notre monde. Pâques est pour nous les chrétiens un jour particulier, qu'il soit aussi un jour de répit pour tous ceux qui luttent contre cette épidémie. Pour cela, eh bien, ouvrons nos cœurs à cette fête de Pâques, qu'elle rayonne à travers notre vie quotidienne. Grâce à Jésus, nous sommes invités à croire qu'il est vivant et qu'il nous entraîne vers le Père pour nous sauver. Jésus apporte son message d'espoir, de joie qui refleurit dans nos cœurs et dans nos vies. Alors, ensemble, unis à vous, prions le Seigneur ressuscité qu'il aide et soutienne tous ceux qui sont dans le besoin face à cette épidémie, qu'il nous donne à chacun et chacune la force de témoigner de l'amour de Jésus ressuscité. Joyeuse fête de Pâques à tous et à toutes, à tous et toutes celles qui vous sont chères. Au revoir et à bientôt.